Ouais. Hey. Quand vous avez ces trois noms-là dans un même film, ça peut faire peur. À moins que ce film soit une sorte de copie un peu plus actuelle du film Safari avec Kadmerad. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser avec l'affiche et juste avec le pitch du film. Après, à voir ce que ça donnera dans la bande-annonce. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Spreezed, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir à la deuxième bande-annonce du film Rendez-vous chez les Malawa. Une sorte de film Rendez-vous en Terre Inconnue avec Christian Clavier, Ramzi Bedia et Michael Youn. La crème du cinéma français, hein. Et je vais vous lire un peu le résumé du film qui sortira le 25 décembre 2019. Le film pour Noël, quoi. Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du monde, Léopoli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawa, une des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature humaine. Un film produit par Pathé. Et nous allons tout de suite voir ce que ça vaut. Je n'ai pas vu la première bande-annonce, je me suis pas spoilé l'histoire du film, donc on va voir ce que ça donne dans cette bande-annonce d'à peu près 1 minute 30. Allez, on commence. Lumière moteur, ça tourne, réaction, générique. Deuxième bande-annonce, c'est parti. Pour Noël, nous invitons quatre invités exceptionnels. Le présentateur phare du 20h, la rockstar du stand-up, la véton d'accord. La mascotte de l'équipe de France. Moi, sérieux? Vous pouvez m'appeler Jérôme ou ne pas t'appeler du tout. Mais on s'en fout. Allez, venez. Regardez la chance qu'on a. La nature nous souhaite la bienvenue. Stylé. Évidemment, oh. Les invités sont impatients. Non, impatients, mon cul. Bienvenue les amis chez les Malawa pour cette rencontre au bout du monde. Eh hey, regardez, regardez, j'ai attrapé un Pokémon. Je vais taper le chef, ça sera beaucoup plus simple. C'est les photos qui les intéressent. Ils les piquent et ils font du voodoo avec. Ah ben non. Non mais attends, rends-moi le cadeau mon petit chef. Ils ont voulu nous tuer, on est chez les Maboules. On est chez les Maboules. On dégage d'ici. Attendez. Oh. Où se cacher? Où ça? Derrière le lion. Oh! Ce ne sont pas des gens normaux comme vous et moi. Ce sont des gens célèbres. Ils détestent tout le monde, c'est normal. En fait, le plus gros fléau de l'Afrique, c'est vous. Pardon? Alors, ça va, ça se passe bien? Normal que j'ai pas de ceinture. Je vais te la mienne. Mais il est complètement con, lui. Ouais, la belle comédie. En vrai, ouais, j'approuve ce film. Non, je vous le dis, j'approuve ce film. Parce que ça va pas être encore une nouvelle comédie avec Christian Clavier qui va jouer le rôle d'un raciste, homophobe, bref. Voilà, c'est un peu le cliché en ce moment, hein. Avec Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ou d'autres films, c'est toujours oh, Christian Clavier, il est obligé de jouer un rôle de raciste ou homophobe ou xénophobe dans chaque film de comédie française. Non, là, non, non, ouais. Il est un peu méchant, Christian Clavier, dans ce film, mais non, non, quand même pas. Il est drôle, j'ai l'impression qu'on revient à ces bonnes vieilles phrases des films de bronzé. Nous on est chez les Maboules. Ouais, j'ai l'impression qu'il sera drôle dans ce film. Bon par contre, il va falloir m'expliquer. Christian Clavier, présentateur du 20h, et Michael Youn, la mascotte de l'équipe de France, footballeur, ayant remporté la Coupe du Monde. Ah,
Ok, et donc 4 personnes, 4 invités vont aller avec Léo Poli, qui est directeur d'une émission qui s'appelle Rencontre au bout du monde. Ils vont aller jusqu'en Afrique pour faire un rendez-vous en terre inconnue chez les Malawa, qui sont une tribu africaine. Seulement, ces 4 invités ne s'y plaisent pas du tout et vont essayer de s'enfuir le plus vite possible de ce petit village. Ils vont rencontrer des lions, ils vont essayer de braver des déserts. Bref, un peu tout ce beau bordel africain. Par contre, si le mec survit à l'écrasement de sa tête par une patte d'éléphant, je crie au scandale. Même si tu atterris dans la gadoue, tu ne survis pas à l'écrasement d'une patte d'éléphant. Surtout faites sur ta tête. Alors s'il crève pas, je ne comprends pas. Vous savez, on n'est pas obligé de faire survivre tout le monde, hein. Vous pouvez quand même faire mourir quelques-uns. Regardez Safari avec Kanmerad. Ils ont fait mourir certaines personnes. Mais bon, là, c'est un peu plus comique, donc bien sûr, pour la dimension trop comique, il va survivre à l'écrasement de la patte d'éléphant sur sa tête, bien sûr. Bien sûr, Michael Youn, toujours aussi drôle parce qu'il est bête, hein. Bon, il y a un lion en face. Où est-ce qu'on se cache? Derrière le lion, bien sûr. Ok, donc, rendez-vous chez les Malawa, un film qui sortira le 25 décembre pour Noël. Est-ce que c'est intéressant de le voir sortir le même jour que Noël? Eh ben, on verra ce que ça donnera. Est-ce que ce sera un beau cadeau pour Noël? On verra. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur toutes les réseaux sociaux et n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour suivre toutes mes autres vidéos. Et d'ailleurs, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo réaction. C'était Esprit Z. Coupé.